Salut à tous, on se retrouve enfin dans le décor qu'on connaît tous et ouah, ça fait du bien. Par contre, je vous avoue, je savais pas trop par quel jeu reprendre et comme j'aime particulièrement les point and click, je me suis dit allez go, je me lance dans un jeu que j'avais jamais fait, Full Throttle, un jeu de LucasArts, ceux qui ont fait Grim Fandango, Day of the Tentacle, enfin, en somme, on est entre de bonnes mains. Alors, rapidement, Full Throttle, ça raconte quoi? Eh ben, c'est l'une des plus grandes forces du jeu, son intrigue, assez simple mais bien racontée, bien jouée et donc prenante. On incarne le motard Ben, accusé par Rick Berger du meurtre du malheureux Malcolm Corley, le président de Corley Motors, une industrie qui conçoit et produit des bécanes en tout genre. Ben... Je crois que Rick Berger n'a pas pu attendre ma mort. Malcolm nous l'indique avant de rendre son dernier souffle, son meurtrier n'est autre que le vil Rip Burger, son bras droit qui l'a assassiné, dans le but de reprendre la tête de Corley Motors et remplacer la conception de moto par celle de minibus. De quoi horrifier Ben et tout son groupe de motards les putois. Mais oui, on est dans un jeu LucasArts teinté donc d'une bonne dose d'humour, que ce soit à travers les énigmes ou les dialogues. Vous cherchez quoi exactement? Un truc assez petit, poilu et jaune. Ah désolé, mais je n'ai que ces dents là. Hey. Zut! On m'en a encore piqué une! On traverse donc un désert des États-Unis, je vous passe toutes les séquences d'énigmes et de dialogues, pour atteindre le meeting des actionnaires de Corley Motors, que préside à présent Rick Berger. Encore une fois, à la suite de toute une série d'énigmes, on parvient à révéler, preuve à l'appui sur l'écran géant, que c'est lui, l'assassin de Malcolm. Il nous fait même un petit doigt depuis sa tribune. J'adore cette animation. Clairement, on a ruiné les plans de Rip Burger. Il a les boules et se met à nous poursuivre à travers un char surarmé pour nous faire la peau. Et vraiment, quand j'ai fait cette séquence, j'ai eu la sensation de faire l'une des meilleures séquences de fin d'un point and click. Toute cette dernière partie est vraiment géniale. Ça joue en temps limité parce que Rip Burger fonce à toute berzingue et on finit par se vautrer dans le ravin si on trouve pas un moyen de s'en sortir. Ce qui n'est pas très punitif, hein, on réessaye immédiatement. Donc je vous spoil pas la façon de s'en sortir, mais en gros, faut parvenir à anéantir le véhicule. On finit dans l'avion du gang des charognards. Même chose, si on met trop de temps, on finit dans le ravin, donc faut rejoindre le tableau de bord et tenter d'arrêter l'engin. C'est rempli d'instructions illogiques. Par exemple, si vous sélectionnez frein, inverser moteur, vous avez le choix entre global, semi-inversion, double inversion. Puis en plus, y a rien qui fonctionne. Faut trouver la bonne association qui permettra d'actionner les freins d'urgence. Une fois ceci fait, Rick Burger chute et se retrouve accroché par sa veste au canon de son véhicule. On essaye de s'en défaire via cette fois-ci le tableau de bord de son char, et un exemple typiquement des énigmes à la LucasArts qui nous prennent à contre-pied. Très logiquement, on essaye d'utiliser les canons ou les mitraillettes du véhicule pour se faire Rick Burger, mais ça donne rien. Parce que c'est pas la bonne logique, faut penser autrement. S'il est accroché par sa veste, eh bien actionnons l'arrêt du système et... C'est ainsi que se conclut l'aventure. Maureen, qui nous a aidés à plusieurs reprises, la fille du défunt Malcolm, reprend la tête de Corley Motors et rassure Ben à l'idée des minibus est jetée à la poubelle et la production de motos va se poursuivre. Ben y repart avec son gang les putois sur les routes des États-Unis et tout est bien, et qui finit bien. Franchement, c'était une chouette aventure, mais il y a quelques petits points... Avant de commencer, recontextualisons. On est en 1995, et on l'a déjà vu à cette période, il y a un certain déclin du point and click traditionnel. Revenons rapidement dessus. C'est l'arrivée de deux événements qui bouleversent l'hégémonie du point and click sur nos micro-ordinateurs. Doom d'ID Software, qui démocratise le FPS et plus généralement les jeux d'action survitaminés, et bien sûr l'émergence de la 3D, avec laquelle le point and click a un peu de mal à s'adapter, et clairement le public se désintéresse du genre au profit d'autres styles de jeu. On le sait, tous ceux qui souhaitent poursuivre tentent de réagir. Sierra avec le cultissime Phantasmagoria, avec des acteurs filmés directement intégrés aux séquences de jeu, Access Software et leur Under a Killing Moon qui propose des phases d'énigmes en vue à la première personne, façon justement FPS. D'autres, je pense à Seven Guests, où Miss s'éloigne complètement des codes du genre pour proposer une nouvelle grammaire du jeu d'énigmes, s'approchant davantage du jeu d'aventure. Bien sûr, Tim Schafer à la tête de ce Full Throttle, et qui a quand même bossé sur Monkey Island et a dirigé avec Dave Grossman l'immense Day of the Tentacle, un vrai produit made by LucasArts quoi, est confronté au même souci face à un média en pleine évolution, comment trouver sa place et se moderniser. Pour bien distinguer le changement, on va pas mal le comparer à son grand frère Monkey Island, et on va voir qu'il s'en distingue sur trois points. La difficulté, la forme et le gameplay.
Ouais, déjà, il est beaucoup plus facile. Ça se joue dans un premier temps sur l'espace de jeu. Je sais pas si vous vous souvenez de l'île de Mêlée, mais c'est grand. Il y a tout un tas de lieux à visiter, d'énigmes à résoudre aux quatre coins de la map. On peut aisément éprouver un sentiment de vertige face à l'ampleur de la tâche et s'y sentir un peu perdu. Dans Full Throttle, la structure est plus linéaire dans le but d'être clair pour le joueur. L'une de nos premières tâches consiste à réparer notre moto. Oui, ben. Pour cela, la mécano Maureen nous réclame une fourche, un chalumeau et de l'essence. Ça tombe à pic, il y a trois lieux qu'il est possible de visiter. Le propriétaire de la décharge dans sa caravane, la décharge elle-même, et un grand réservoir d'essence. Chaque lieu contient l'un des objets dont nous avons besoin, ce qui donne donc à travers cette tâche trois objectifs indépendants séparés par trois lieux distincts. Les espaces sont restreints, ce qui limite les possibilités et rend plus clair nos objectifs. Seconde chose qui va totalement dans ce sens, finit la longue liste de verbes qu'il faut parvenir à bien associer avec le bon objet du décor. On avait genre allumer, éteindre, fixer, enfin bonjour le casse-tête. Cette liste a été réduite dans les titres suivants, mais ça restait assez traite quand on n'avait pas la logique attendue. Ici, il n'y a que 4 options, assez drôle d'ailleurs. Parler, regarder, se servir de ses mains, se servir de ses pieds. Bien souvent, pour taper sur ce qui se trouve. Et là, Tim Schafer est un expert du genre, il en joue pour diversifier ses énigmes. Je pense au moment où on appelle Todd dans sa caravane en tapant dessus et refuse de nous ouvrir. Tant qu'il est encore à la porte, il faut associer le pied à celle-ci pour que Ben la défonce quand il se trouve derrière afin de l'assommer. Exemple encore plus parlant, on ne se sert jamais de la bouche à travers les énigmes parce que ça nous est simplement utile pour dialoguer avec les autres personnages. Sauf que quand on doit piquer de l'essence avec un tuyau et un jerrycan sur une voiture de police, il faut là penser exceptionnellement à utiliser la bouche sur le tuyau pour que Ben aspire l'essence et puisse la récupérer. Enfin, pour terminer sur la difficulté, parlons des énigmes elles-mêmes. Dans Full Throttle, c'est la plupart du temps assez logique. Après un petit temps de réflexion, on en vient sans trop de soucis à bout. Contrairement à Monkey Island où il y en a des sacrément tiré par les cheveux, hein. Comme celle avec le poisson sur le ponton qu'on peut récupérer en allant, alors qu'il n'y a aucune raison, tout au bout du ponton. Faut le deviner, je suis resté bloqué je sais pas combien de temps sur celle-ci. Oula. Ouais, je me rends compte que depuis tout à l'heure là, je suis un peu en train de détruire le jeu. Mettons les choses au clair, Monkey Island est mon point and click préféré. Au-delà de ça même, il fait partie de mes 10 jeux préférés, toutes consoles confondues. Je suis un fan de l'univers, du personnage de Guybrush, de l'humour. D'ailleurs, ça a été une référence pour les développeurs les années suivantes. Ils se sont tous inspirés plus ou moins de Monkey Island, ont repris des idées. Et pourtant, il n'y a que 5 années qui séparent les deux jeux, mais Full Throttle est bien, bien plus moderne dans sa forme que Monkey Island. Je m'égare, revenons sur le sujet. La difficulté du jeu a été revue et adaptée pour un plus grand public. Faut dire qu'au cours des années 90, on commençait à sortir de la logique des jeux ultra difficiles qu'on terminait jamais. Deuxième point, on va passer rapidement dessus, la forme. Tim Schafer, contrairement à pas mal d'autres qui cèdent aux sirènes de la FMV, a souhaité conserver ses pixels. Et faut dire que le niveau de détail rend le jeu absolument magnifique. Comparé Monkey Island et Full Throttle, la différence saute aux yeux. Les animations sont elles aussi bluffantes. Observez le gars qui joue avec son couteau sur la table. Et bien sûr, Another World avait donné le la quelques années auparavant, on a de splendides cinématiques intégralement doublées et on l'a dit, bien joué en plus de ça. Enfin, parlons gameplay. Une des originalités du jeu, ce sont ses phases d'action qui n'ont plus grand chose à voir avec le point and click. Je vais pas passer par quatre chemins, ce sont très clairement les passages les plus pénibles de l'aventure. Elles ont peu d'intérêt ludique, les contrôles peuvent être assez bancals, et ces sessions s'avèrent répétitives. Ouais, il y a une longue séquence où on doit se battre contre les membres de différents groupes de motards, et une autre où on participe à une castagne de voiture. Pilotez votre bolide avec votre souris, et bon courage. Franchement, pour moi, c'est le point noir du jeu. Rien d'original, hein. La presse et les joueurs de l'époque avaient déjà critiqué ces passages. Ça ternit légèrement l'aventure qui reste, quoi qu'il en soit, très plaisante. Non, venons-en au fait. Full Throttle a été un succès commercial. J'ai demandé à Patrick Helio, l'auteur de l'histoire du Point and Click, s'il avait des chiffres à me transmettre sur les ventes du jeu. Il m'a filé quelques liens et surtout renvoyé à cette interview de Tim Schafer, qui explique qu'habituellement les ventes des jeux LucasArts se situaient entre 200 et 300 000 exemplaires. Il estime, même si c'est des chiffres très approximatifs, qu'il a dépassé le million d'exemplaires avec Full Throttle. Pourtant, et c'est ce qui est étonnant, malgré le succès de Full Throttle, c'est loin d'être le jeu LucasArts ou le point and click le plus populaire aujourd'hui. Moi, je l'avais jamais fait. Patrick Helio m'a appris qu'avant son ouvrage L'histoire du point and click, il l'avait jamais fait non plus. Clairement, on l'a un peu oublié. En tout cas, sa cote de popularité est loin, très loin d'un Monkey Island, d'un Grim Fandango ou d'un Day of the Tentacle. Pourquoi ? On en a discuté avec Patrick, on n'a pas de réponse claire, mais on peut apporter pas mal de pistes.
Déjà, effectivement, il y a une part assez importante de titres que l'on retient au cours de l'histoire parce qu'ils ont eu un véritable impact graphique ou ludique sur le média. Ce fut indéniablement le cas de Monkey Island qui, on l'a assez dit, de par son univers, son humour et l'agencement de ses énigmes, fut une bombe dans l'histoire du point and click. Même chose pour Death the Tentacle, il n'a pas eu le même impact, mais quand même, en plus de son écriture bourrée d'humour, ça se passe dans un même endroit mais à trois époques différentes. Une action à travers une époque peut avoir une répercussion dans les deux autres. Ça intégrait une véritable nouvelle dimension aux énigmes. Et c'est là qu'il manque ce petit quelque chose à Full Throttle. Il a beau être très chouette le thème des motards, particulièrement original, il n'y a rien de véritablement marquant. Dans cette année 1995, Fantasmagoria de Roberta Williams retient bien plus l'attention, de par bien sûr sa FMV et son univers horrifique et même assez gore. Ouais, ouvrez n'importe quel manuel d'histoire, vous apercevrez qu'on s'attarde bien plus sur Fantasmagoria que sur Full Throttle, et encore, quand ce dernier est cité. Le succès d'un jeu n'explique pas sa présence pour les décennies à venir dans la mémoire collective. Mais il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir. J'émets une autre hypothèse qui est plus personnelle. On l'a dit, il y a un reproche que les joueurs de l'époque lui ont fait, ce sont ces séquences d'action un peu bancales qui n'apportent pas grand chose à l'aventure. Et il y a un autre point que j'ai pas mentionné, c'est sa durée de vie. 8 à 10 heures de jeu suffisent généralement pour en venir à bout. Attention, j'insiste là-dessus, hein, c'est pas un défaut qu'un jeu soit court. Hein. Perso, j'ai toujours préféré un jeu court qu'un jeu avec des longueurs, dans le seul but que les journalistes puissent dire « Ouais, il a une super durée de vie, c'est génial !» On s'en fout. Enfin, dans un jeu moins long et plus facile, il y a moins de frustration. On reste pas bloqué des heures entières sur une énigme tordue. Surtout, malheureusement on n'a aucun chiffre là-dessus, mais ce serait tellement intéressant, on a une bien plus grande part de joueurs qui parviennent à aller au bout de l'aventure. Surtout à une époque où on n'accédait pas aussi facilement qu'aujourd'hui à une solution. Franchement, je pense que la plupart des joueurs de Monkey Island ou Fate of Atlantis n'ont jamais aperçu les crédits de fin. Mais dans un jeu plus long, avec une plus grande difficulté, la satisfaction qu'on éprouve quand on parvient à résoudre une énigme sur laquelle on a bien galéré, eh bien plus forte. C'est d'ailleurs la grosse difficulté des jeux de réflexion, trouver le bon équilibre pour éviter la frustration tout en parvenant à proposer un challenge intéressant. Et c'est pas là où je veux en venir. Vous le savez très bien, vous avez tous un jeu sur lequel vous avez passé pas mal de temps, où vous avez l'impression de connaître son univers par cœur, que les personnages qui s'y trouvent n'ont plus aucun secret pour vous. Perso, c'est peut-être aussi de là que vient mon amour pour Monkey Island. J'ai passé tellement de temps à arpenter l'île de mêlée qu'à chaque fois que j'en entends une musique, que j'aperçois une rue, que je lis un des dialogues, j'ai une espèce d'onde d'émotion qui me parcourt le corps. C'est ce qui manque à Full Throttle, peut-être, c'est ce que j'imagine, à cause de la volonté de Tim Schafer d'en faire un jeu trop grand public. Faites essayer Full Throttle à n'importe quel joueur, c'est à peu près certain qu'il appréciera l'aventure. Hormis ses séquences d'action, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Mais il manque, à mon goût, un poisson sur lequel vous allez rager, et encore rager, avant de vous exclaffer en trouvant de manière malencontreuse la solution. Et on pourrait citer pas mal d'exemples de la sorte dans Monkey Island. Un jeu qui, là, pour le coup, aujourd'hui, frustrera assez rapidement un bon nombre de joueurs. Full Throttle est très chouette, on fait les 8-10 heures d'aventure, on a apprécié le moment et on l'oublie assez vite. C'est le lot de certains grands jeux relégués dans une seconde zone masquée par de grands hits du média à qui il a manqué cette petite étincelle pour marquer davantage les esprits. Mais en tout cas, Ben, sache que nous, dans Rétro Découverte, on ne t'oublie pas.